À toutes et à tous, c'est Taï et on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore une fois sur Kata Shoujo. Donc en ce moment je sors beaucoup de vidéos sur Kata Shoujo, c'est vrai, mais comment dire, c'est que je vois pas trop quoi faire comme autre vidéo. Genre je devais faire une vidéo sur sur le tournoi de Dragon Ball Super, genre comme quoi ce qui s'était passé et puis tout. Bon, genre, je vois pas trop l'intérêt quoi, genre à part dire c'était des combats. Puis bah bon, certes c'est passé des trucs, genre comme à la fin on a vu Je vais rien dire pour ceux qui n'ont pas vu, mais je tiens pas trop l'intérêt pour moi de d'en parler quoi. Je devais faire aussi une vidéo sur Kiseiju, genre mon avis, mais bon, je veux dire, ça c'est pas vraiment pressant quoi. Je veux dire, ça peut toujours attendre. Donc là, puis vu que Kata Shoujo en ce moment j'ai le temps de faire des vidéos, dire que je profite quoi. D'ailleurs je voulais vous demander, vous me direz dans les commentaires si vous avez des jeux à me conseiller, donc des jeux de préférence qui prennent pas trop de ressources, parce que j'ai un bon PC, c'est pas ça, c'est juste que dire que je peux pas non plus lire des gros jeux fluides quoi. Genre The Witcher, rien que de base je le lis à 30 fps, mais quand j'ai tourné j'étais à casse quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis alors si vous avez des petits jeux payants ou pas, je m'en fous, mais des petits jeux sympas que je serais susceptible d'aimer. Après c'est vrai que vous connaissez pas mon goût, bon, vous pouvez toujours proposer quoi. Parce que bon, je voulais faire sur Hitman, mais on va dire que enfin sur Absolution, parce que le dernier je l'ai pas encore acheté. Genre sur Absolution ou quoi, genre j'aurais bien voulu faire quoi. Mais bon, enfin ça je dirais quoi, ça peut se faire toujours, hein. Mais bon, je verrai bien. Bref, on va commencer. Et ben, alors, qu'est-ce qu'on faisait déjà le dernier coup? Donc c'était, on parlait à Anako, puis il y avait Micho et Shizune qui sont arrivés, il me semble, c'est ça. Enfin, moi c'est ce que je crois là. Donc alors, je grimace et me tourne vers la voix qui ne se confond pas. La voix est bien trop joyeuse pour être naturelle, même de la part de Micho. Que Micho sourit joyeusement n'est pas étrange. De la part de Shizune, c'est un très mauvais signe. Celui qu'elle affiche est lui dans mon esprit comme j'ai une dizaine de chefs d'accusation contre toi. Salut Shizune, salut Micho. Vous semblez contente de me voir. Tu ne te sentais pas bien hier, Ichan? Non, je ne me sentais pas bien. Ah, non, je ne me sentais pas bien. Mais je vais mieux, non, moi. Tant mieux, Ichan. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que Shizune me tire dans un piège? Ça va être encore une connerie, genre... viens m'aider au conseil des étudiants. Genre, je veux dire que tu n'es pas complètement sérieuse. Oh non, Ichan, nous sommes vraiment contents que tu ailles mieux. Shizune déborde de bonheur. Il ne peut pas y avoir qu'une raison pour qu'elle soit comme ça. Oh non. En fait, on est inquiète pour vous après tout. Anako, Lily et toi étiez tous absents hier. Hop, elle nous a eu. Il ne me reste plus qu'à déclarer forfait. J'imagine que tu as tes théories. Tu pourrais ne le dire à personne.
Il est un peu tard pour ça, Etienne. Elle a raison, mais regarde que j'ai un coup de temps en entrant dans la classe. Ah bah il serait vraiment. Oh, c'était beau à la galère. Pourtant, ils sont plus du niveau de la suspicion que des accusations. Donc on s'en sortira sûrement. Le visage de Hanako sourit encore un peu plus. Tant d'attention est gênant pour moi. Encore plus pour elle. Rejouchée par la réaction de Shizune et Misha, elle le remarque aussi. La seule raison pour laquelle on en est sûr avec toi, c'est parce que tu nous as ignorés hier. Hier. Il faut un moment pour me rappeler, étant donné l'état dans lequel j'étais à ce moment. Ah oui, elles avaient tapé à la porte. Oh, c'est vrai. Du coup, à la porte ce matin, c'était où? Oui, tu nous as laissé poireauter pendant des décennies alors qu'on a fait l'effort de venir à ton dortoir aussi tôt le matin. Désolé, j'avais un problème de nausée. Un problème de nausée. Elle me croit pas. Elle ne peut pas le revoir. La tête de Shizune tombe de résignation. Avant qu'elle ne cherche quelque chose dans sa poche. Quelque chose de blanc et jaune dépasse un peu quand elle le sort. Ça s'avère être une enveloppe pour des décorations en couleur aussi. Avec des décorations en couleur dessus. Elle me l'attend, je le prends. Ce qu'on essaie de te donner, John. Sinon, il garde pas de. La bonne Michelle, c'était alors que je lis ce qui est écrit sur l'enveloppe. Iwanako. Donc, pour ceux qui se rappellent pas, Iwanako, c'est. C'est au début du jeu. Genre, quand on a eu. Quand on a eu notre crise cardiaque. Et bah, c'est là que. C'était elle. Alors, je regarde l'enveloppe un moment, avant de soudainement me rappeler qu'il y a des gens autour de moi. Elle a une expression très étrange, quelque chose de quelque peu envahissante. J'ai besoin d'être seul. Iwanako ? Sinera, merci de me l'avoir apporté. J'espère bien. Après tout, ce qu'on a traversé pour pouvoir te le donner. J'en recule et dis au revoir. Michel me fait le mou d'une manière théâtrale, alors que je dépasse la porte. Que je passe la porte. Mais Shizune et Hanako restent visiblement très curieuses au vu de ma réaction. J'espère qu'elles ne me questionneront pas plus tard. Dans ce jardin est comme toujours très agréable. Quelques-uns des signes les plus visibles de la richesse de l'école. En dehors de sa taille en général, soit la grandeur et l'entretien de ce jardin. On peut voir beaucoup d'étudiants manger, discuter, même jouer dans l'herbe. Même le personnel apprécie l'été ici. Garde un œil sur les étudiants tout en se baladant le long des chemins. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça dans ma ville natale. En excursion, peut-être, mais certainement pas dans l'école ou à proximité de là où je vivais. Même le banc sur lequel je m'assois pour lire est chaud grâce au soleil d'été. Il me rappelle c'est pourquoi je n'ai pas encore mis le blasé. Enfin le blasé. Le blazer. Je sais pas trop comment ça se dit. Bon. De l'école depuis mon arrivée. En y pensant, le tournesol et la couleur jaune papier sont plutôt appropriés vu le temps. Si seulement les mots l'étaient aussi. Et voilà, c'est maintenant que je pensais que j'avais réussi à oublier tout ça, que cette lettre gênante arrive. Son écriture me paraît légèrement familière, et c'est seulement maintenant que je la revois. Que je me rappelle qu'elle utilisait beaucoup son stylo rose. Elle a toujours été très féminine. Mais elle était aussi plutôt fragile. Je n'ai jamais su si j'aimais cet aspect d'elle. Bien qu'avec l'arrivée de cette lettre, la question s'est devenue largement discutable. La lettre commence avec une banale mise à jour sur la façon dont vous voyez les choses dans sa vie. Mon ancienne classe a eu un bon début d'année scolaire. Beaucoup sont anxieux pour les examens qui arrivent. Blablabla. Mais ça finit sur une note très personnelle. J'ai l'impression qu'elle a écrit la plus grande partie de la lettre juste pour essayer de mieux faire passer la fin. Je l'exprimais mes sentiments, mais les mots ne sortaient pas. Je ne pouvais rien dire pour te réconforter. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu t'aider quand tu en avais le plus besoin. Même si je t'apprécie autant. Au moins maintenant, finalement, je peux être honnête. Si je pouvais retenir ces jours qu'on passait dans le silence en février et mars,
Je te dirais de ne pas brûler. C'est ce que je dirais. Peut-être que tu n'aurais pas dérivé ces lois si j'avais dit quelque chose. J'espère que tu as réussi à te remettre sur pied toi-même par toi-même. Maintenant que la distance entre nous est aussi physique, ça me semble définitif. Je me demande si on se retrouvera. Peut-être que c'est mieux qu'on ne se revoie pas. Si tu veux correspondre avec moi, écris-moi par tous les moyens possibles. J'aimerais beaucoup entendre de parler de ta nouvelle école. Mais de comment tu veux. Je te souhaite que le meilleur. Sincèrement, Iwanako. Notre relation est terminée. Claire, propre et sans ambiguïté. Je n'étais pas dans l'illusion qu'on puisse être réunis un jour. La dernière fois qu'elle est venue me voir, aucun d'entre nous n'a ouvert la bouche. En dehors des derniers mots qu'elle a dit avant de partir. Au revoir. Mais comme ça ressemble plus à une fin. Le point final d'une expérience qu'on a voulu faire et pour laquelle on a échoué. Un cri détourne mon attention de la lettre. C'est juste des étudiants qui font les étudiants et un professeur s'approche d'eux pour leur parler. Est-ce que ça va? Ah mince, c'était elle. J'aurais pas dû le faire un nouveau comme ça. Bon. Une petite voix s'approche de moi pendant un moment. Je pensais que c'était Anako. Mais il s'avère que c'est Yuko. Donc c'est-à-dire qu'elles ont à peu près la même voix. Genre une petite voix, je suppose. Oh bonjour Yuko, je pensais que tu serais à la bibliothèque. Elle m'adresse un grand sourire, un truc qui correspond à l'atmosphère, et broie un emballage de repas dans sa main. Quelqu'un a dû la remplacer pendant qu'elle est allée chercher à manger. Ça me rappelle que je n'ai rien mangé encore. Je n'ai pas spécialement faim, cela dit. Les autres repas ne me feront pas de mal. La place est libre? Bien sûr, vas-y. Je remets rapidement la lettre dans l'enveloppe. Elle glisse dans mon sac, qui est contre le banc, alors que Yuko s'assoit à côté de moi. Elle met son emballage dans la poubelle, à côté de nous. Sans grand chose à faire, je m'adosse au banc et apprécie le soleil, réfléchissant à la lettre. Le jardin luxuriant, le ciel bleu clair, tout semble si différent ici. Même les environs avec la colline et la forêt qui l'entourent sont complètement opposés à la scène urbaine dont je me rappelle. Peut-être que c'est comme le mal du pays. Encore une fois, ce n'est pas si mal. Les environs autour de Yamoku sont bien que très différents. Sont plutôt agréables. Je pourrais m'habituer. Dizo. Ouais. Tu n'as pas répondu à ma question. Je ne comptais pas t'embêter, mais tu sembles troublé. Si tu ne veux pas en parler, ce n'est pas grave, ça ne me gêne pas. Désolé de demander quelque chose d'étrange comme ça. Ça ne me gêne pas. C'est juste que j'ai reçu une lettre de quelqu'un que je connaissais avant de venir à Yamoku. Ça m'a fait réfléchir à certains trucs. Je croyais que je réussirais à surmonter la plupart des problèmes qu'a causé mon accident. Mais maintenant, je ne sais pas vraiment. J'aurais préféré ne pas l'en savoir. C'était pas une bonne chose, Izo. Quand mon petit copain m'a quitté, il l'a fait très soudainement et ne m'a jamais dit pourquoi. Au début, j'étais très déprimé, mais j'ai décidé de lui pardonner. Je l'ai pardonné. Il n'aurait pas pu t'en parler de ce point. Il a toujours été de ces gens qui ont du mal à se rapprocher des autres. En fin de compte, j'ai décidé de que j'étais tombé amoureuse de lui pour une raison. Il était quelqu'un de bien. Je crois que si j'avais été dans sa position, j'aurais sûrement eu du mal à aller lui parler. Je ne vois pas le lien avec ma lettre. Ah, je veux dire que... Comment dire ça? Ça a dû être très dur pour cette personne d'envoyer la lettre. Et en plus, je crois qu'elle a dû avoir beaucoup de mal à trouver quoi dire. Monaco a réussi à envoyer une lettre et à mettre fin à notre relation. Quelque chose que je n'ai jamais réussi à faire. Tandis que moi, j'essaie de protéger Monaco comme je peux. Surtout que maintenant que Lily va partir à moi, je ne suis même pas capable de gérer mes propres problèmes. C'est logique, comment est-ce que je dis? Elle a pris le fait que je ne réponde pas comme un doute. Elle est vraiment trop attentive aux expressions des gens. À la star d'une certaine personne. D'une certaine autre personne. Oui, c'est logique. La lettre était un choc, vraiment. J'ai essayé de me persuader que ma vie avait été mise à zéro. Quand je suis arrivé à Yamoku, je sais que ce n'était pas le cas. Je suis un peu perdu. Je ne sais pas comment gérer ces sentiments. Je ne pense pas pouvoir t'aider pour ça. Désolé. C'est bon. Je crois que parler avec toi m'a aidé à rendre les choses un peu plus claires. Donc merci quand même. Bah, je l'ai un peu bouché.
Elle hoche la tête et sourit. Du coup, elle est une gentille fille. Dommage qu'elle angoisse si facilement. Oh, putain. La sonnerie dans une chambre pour tous les deux. Ah, j'étais censé être de retour avant la sonnerie. Oups. Elle se lève du boss, mais presque courir sans dire un mot. Elle se retourne se rappelant que je suis là. A plus tard, Izo. Courage, hein. Oui, c'est vrai, merci du coup. Après une petite courbette, Yuko se précipite en direction de la bibliothèque. Ses ruées attirent l'œil de quelques étudiants qui sont en chemin vers leur classe. Me levant sans énergie du bord, je suis leur exemple. Même alors que je traverse les jardins sur le chemin du bâtiment principal, je garde la lettre en tête. Je bois un petit coup parce que là je sens que j'ai la... T'as les 30 secondes. Oh, pas mal, c'est beau ça. Ça fait du bien pour vous, ça passe. Hop là. Donc alors. Je pense que j'ai rien à dire. J'ai réfléchi, bon, je veux dire, Iso a parfaitement résumé la situation. Voilà. Bon, du coup alors, parcourir les rues de la ville me rend nostalgique. Alors qu'il y a beaucoup, peut-être l'inverse de là où j'ai vécu dans le passé, la nuit, la ville m'est très familière. C'est quoi la nuit, putain? Enfin, je sais pas pour vous, mais moi franchement j'aime bien, enfin, j'adore la nuit, parce que, enfin, je sais pas, il y a cette sensation de, enfin, je sais pas, c'est d'être seul, la brise qu'il y a, la fraîcheur, enfin, je parle dehors, hein, quand t'es dehors, et même quand t'es chez toi, je veux dire, ah donc je sais ça, ça n'a qu'à rapport avec Kato Shoujo. À part le fait qu'il fait nuit dedans et qu'il fait nuit là où maintenant je tourne. Je veux dire... je sais pas moi, j'adore la nuit. Je la trouve reposante. Voilà. Bon, du coup. Mes yeux jonglent constamment entre les écrans brillants sur les immeubles, les lampadaires, les businessmen, qui les comprennent après le travail et les couples qui sont en rendez-vous. Même si je ne le voulais pas, je ne peux pas m'empêcher d'être imprégné par tous les aspects de la ville. Je sais voir sa familiarité comme un bonbon sur la langue. Ah bah. Les démarches à ma gauche avec sa canne qui se balance, tenant le bras de sa sœur tout en lui parlant. En comparaison du taxi ou du bus, être conduit par Akira dans sa belle voiture était plutôt agréable. Ah, on est en voiture. Bon bah. Peut-être pas pour la personne à ma droite. Cela dit. Si. Cela dit. Alors que Lily est habituée au style de conduite de sa soeur et que moi. J'apprécie un peu l'excitation. Ah donc c'était une très forte à la porte pendant la durée du voyage. Tout semble si beau la nuit. Nako baisse rapidement la tête après avoir croisé le regard de quelqu'un. Ouais, c'est vrai. La réponse n'est pas très inspirée, donc je suis distrait par une pensée. Une de celles de distraction à part la vue de la ville est Anoko. C'est la première fois que je le vois autrement que dans son uniforme scolaire. Mon pyjama. Je me suis arrêté sur place une seconde quand je l'ai vu, à la porte de l'école. Mais la façon dont sa tête est baissée quand elle marche à côté de nous, j'imagine que le chapeau qu'elle porte est plus qu'un accessoire de mode. Mais que l'origine, j'étais sceptique face au plan du lit. De nous emmener en ville. Maintenant que la nuit est tombée, il est évident qu'elle a réfléchi. Peu de jours font attention à Nako, vu que la nuit cache plutôt bien ses cicatrices. Donc, on est en ville. Une idée de quoi faire. Akira fait un grand sourire. Quelque chose me dit que c'est elle qui a pris cette décision. Mais si c'est sa soeur qui a proposé de la sortir à la base. Tu verras, suis-nous. Je lâche la tête et fais de mon mieux pour retenir une grimace. Après ce qui est arrivé à l'anniversaire,
D'un coup, je n'ai tellement confiance dans le jugement d'Akira. Désolé. Décidément, c'est pas la forme. Ah, petite musique de fond. Donc, continuons de marcher, je remarque que nous pensons devoir de plus en plus de cafés, restaurants et d'autres endroits où manger. De temps en temps, nous croisons un homme ivre en costume sortant d'un bar, généralement supporté par un autre. La plupart des clients ici semblent jeunes et branchés. Différents types de musique affluent alors que nous marchons. Le bruit constant des musiques qui se superposent devrait être usant. Ça me rappelle l'époque où j'étais en ville avec mes vieux amis alors que ça me gêne pas. Enfin, je sais pas si. Là, je bloque. Je bloque parce que je me mets à sa place. Je me dis putain. Bah, là, t'es comme ça. Je sais pas, ça doit être bizarre. Enfin, je sais pas si je me mets dans la tête de 10 autres. Puis je me dis, faf. Tu dis, ouais. À l'époque, j'étais avec mes amis. Puis là, bah. Là je me retrouve à Yamaku. Enfin voilà. Je sais pas, ça doit être bizarre. Bon. Bref, Anako et moi avons commencé à nous décaler un peu de Lily et Akira. Une dérive qui s'arrête quand j'entends un t-shirt à côté de moi. Désolé. À un moment où elle se redresse et sa combat d'excuses. Le business match d'âge moyen. En tout cas, elle s'est cognée et est déjà en train de partir après s'être à moitié excusée. Anako semble un peu perturbée par l'expérience. Et alors qu'elle accélère pour me rattraper, je remarque qu'elle a la tête encore plus basse. Elle lui est sûrement rentrée dedans alors qu'elle regardait ses pieds. Et non là où elle allait. Je me décale un peu sur le côté et je mets ma main sur son épaule droite. La rapprochant un peu plus de moi. Iso, ça va, tu peux marcher plus près de moi si tu veux. Je sais pas, c'est. Les dessins de Hanako, je sais pas, là, je trouve qu'ils sont bizarres quand même. Enfin, je sais pas, c'est. J'ai l'impression que genre que les yeux qui sont pas au bon endroit. Enfin, je sais pas, ça me perturbe. Bah, elle est très belle, c'est pas ça le problème, bon. Genre là, elle a pas de nez. Elle a pas de nez. Alors, hein, en fait, ça, c'est. En fait, c'est écrit là. Ouais. C'est écrit là en fille. Bon. Anako hésite, mais finit par hocher la tête. Ah bah là, Alan est par contre, voilà. L'œuf, c'est bien dessiné. Et certains dessins, ouais, c'est moi, cher Anako, je trouve. Bon. Après quelques fois, j'ai pensé qu'on était à destination. Nous arrivons vraiment. Nous sommes maintenant sortis dans l'une des rues les plus fréquentées et activées du quartier. J'ai un peu surpris. L'âge moyen des gens ici est plutôt élevé. Il y a une forte odeur de cigarettes. Il y a une forte odeur de cicatrices, j'avais fait taverne. Culé. La zone est loin d'être miteuse, cela dit. Et c'est amusant de voir la réaction de Lily à l'odeur de la fumée. Bien que ce soit masqué par les bruits des gens qui parlent, de la musique jazz peut être entendue de l'intérieur. En regardant le devanture, je comprends beaucoup. Un club de jazz. Je dois admettre que je ne m'y attendais pas. Lily rit un peu et sourit. D'une certaine façon, j'ai l'impression que j'aurais dû m'y mettre bien entendre Akira. Alors que nous discutons à l'extérieur, je remarque de plus en plus de regards dans notre direction. Déjà de regarder se détendre vite. Mais ça rend la chose encore plus évidente. J'ai remarqué ça de temps en temps pendant que nous marchions. Mais maintenant c'est plus fréquent. Ça ne m'était jamais arrivé avant. Je suis un jeune adulte japonais. J'étais légèrement plus gros que le normal, je dois dire pour l'attention normalement. Hé, allez, ce n'est pas juste parce que vous êtes jeune que vous ne pouvez pas apprécier. Hein. Je n'ai rien contre la musique, si c'est ce que tu veux dire. Ça ne me gêne pas non plus. Elle réussit à pas de sortir ses mots. Ça change beaucoup de quand on est seul à Yamaku. J'ai un peu de ce qu'elle soit aussi tendue. Parce qu'il est censé être un moins agréable en ville. C'est difficile de voir le visage de Anako, vu qu'elle a la tête baissée. Mais ça ne m'étonne pas qu'elle n'aille pas sauver en ville. Et quelque part, je suis content que mes propres cicatrices ne soient pas aussi visibles.
Lily attire aussi le regard des gens et la raison est clairement évidente. Elle n'a pas l'air du tout japonaise. Et cela vaut aussi pour sa sœur. De loin, ça se voit beaucoup plus que sa cécité. C'est vrai. Elle n'est peut-être pas capable de le voir elle-même, mais je ne doute pas qu'elle puisse entendre les phrases murmurées des gens qui la voient alors qu'ils pensent qu'elle ne peut pas entendre. Loul. Après, c'est vrai que quand on y pense, une aveugle sourde, du coup muette, parce que si t'es sourd, bah t'es forcément muet. Enfin. Après, muet. Dans un sens, quelqu'un de muet, ça veut dire qu'il peut pas parler. Quand t'es sourd, tu peux parler. Mais enfin, tu peux. Enfin, sans nombre, c'est. Tu balances juste. Enfin, c'est genre. C'est. Tu fais des petits bruits des fois avec ta bouche, mais tu sais pas ce que c'est. Parce que bah, tu sais pas ce que c'est un bruit. Non, c'est... Mais un aveugle, sourd, muet. Ouais, je vois pas trop comment tu peux communiquer avec lui en fait. C'est impossible de communiquer avec un aveugle, sourd, muet. Après, ça doit être dans des cas rares, je veux dire. Chou, bon. Mais dans tous les cas, ça ne semble pas la gêner. Akira est toujours aussi confiante, cela dit avec un grand sourire, elle avance avec Lily et nous suivons tous les deux. J'aurais pensé que Mizu aurait besoin de s'ajuster à la lumière à l'intérieur, mais il ne fait pas bien plus clair que l'extérieur. La musique que nous entendions est bien plus audible maintenant. Mets-le au bruit des verres, des discussions des clients. En regardant à ma droite, je vois l'origine de la musique, un groupe de jazz joue derrière quelques tables. La clientèle est surtout composée d'hommes, alors qu'il y a quelques femmes. Personne n'a l'air d'avoir en dessous de 30 ans, à part nous bien sûr. Et j'ai un peu l'impression d'être arrivé dans les années 1920. L'atmosphère est assez agréable. Je ne suis pas totalement à l'aise à cause de mon âge, mais si j'étais plus vieux, je me sentirais sans moi comme à la maison. Ça putain, moi j'adorais aller dans des trucs comme ça, des trucs jazz et plutôt. J'adorais ça. Alors qu'on semble un peu plus relaxé maintenant. Probablement parce que personne ne la regarde. Tout le monde est en train de discuter, boire, regarder le groupe. Akira prend un siège au bar, sans même jeter un oeil aux environs. Elle a sûrement déjà venu auparavant. Lily rentre de sa canne, trouve le tabouret du bar et s'assied à côté de sa sœur. Le barman leur jette un regard pendant qu'ils nettoient un verre. Puis ils posent pour aller les voir. Bonsoir madame, qu'est-ce que ce sera? Juste un scotch. Merci. Lily. Pourrais-je avoir un verre de. Un coude en costume noir, la taille aux côtes. Jus d'orange s'il vous plaît. Enfin, c'est quoi là qu'elle voulait dire? J'ai pas vu. De champagne, elle voulait dire. Ah, après, elle est mineure, tu vas me dire. Pas de problème, ça arrive tout de suite. Barman commence à préparer leur verre. Quelques secondes passent avant que Kira se rappelle que Neko et moi sommes là et se tourne vers nous. Vous voulez quelque chose ou vous allez rester debout? Donc, on semble un peu agité. Peu importe où nous pouvons nous asseoir, il y a des gens à côté d'elle. Mais ne pense pas qu'elle puisse se faire passer pour une majeure, contrairement à Lily. Regardant autour de moi, je vois un quoi de jeune à notre droite. Un quoi de jeune. Ah, elle veut jouer au bière, ça se voit. Je ne sais pas à combien qu'elle veut jouer au bière. Eh, si elle fait vraiment du bière, je veux tuer la bonne main. Je m'en fous. Il y a quelques tables de bière. Et personne ne le suivait. Voilà, et j'avais pas lu. Non, c'est juste qu'en fait j'avais déjà vu des fanarts de Noku jouer au bière. Bon, faut que je me dis mais la bonne humeur. Je regardais Noku dans l'attention de lui demander si elle veut jouer, mais elle est déjà en train de le regarder avec envie. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de mots, après tout. On va jouer bien là-bas. Akira se penche en arrière pour voir derrière moi
avant de hausser les épaules et de se refuser. Là, tu vas devoir te contenter de moi, c'est comme c'est dommage. Amusez-vous bien. Nous tournons et allons vers le camp abandonné. Anouk ouvre la marche. L'idée d'une bonne partie en silence, loin de tout le monde, l'aide à marcher au plus vite. Ses yeux sont fixés sur son objectif. Ah putain, voilà, il y a plus de bruit là d'un coup. Il y a plus personne, c'est une salle vide. La grande table est bien éclairée, malgré les environs sombres. Grâce au néon par-dessus, une grande peinture de quelque chose couvre le mur. Il n'y a pas grand monde qui pose dans ce coin du club. Et je peux voir Anoko devenir moins tendu. Tu sais comment jouer? Je ne suis pas un expert, mais ouais, je sais. Alors, le jeu de la 8? Ok. Anoko prend le talc et deux queues posées sur des crochets sur le mur pendant que je sors les boules des poches de la table. Il attrape le trèble sur l'étagère en dessous. Et donc je ne ferai pas de blague sur les boules et le queue. C'est bon, c'est fait. Bon. Elle attend patiemment que j'installe la table. Après avoir mis la dernière boule dans le triangle, je me trouve à devoir me battre avec mon perfectionnisme. Qui exige que la dernière rangée de boules soit exactement perpendiculaire au bord. Les boules disposées et prêtes à jouer. Je me recule. Je prends le queue comme temps en à coup. Je regarde rapidement le bout et vérifie qu'il est en bon état. Oui, je sais, il y a tellement de blagues à faire. Mais chut. Tu as déjà joué par avant? Une fois, ou deux. Je connais juste les règles. L'ambiance entre nous est un peu bizarre. Elle est toujours assez nerveuse. Compréhensible vu qu'on est en public. Finalement, le silence est de trop. Même pour Anoko. Elle commence à parler en bégayant. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais on va bégayer, putain. On me dira, là, moi aussi, des fois, je bégaye comme un gros porc. Bref, je réfléchis à bon moment avant de sortir une pièce de ma poche. Je prends en face, Chapil. Là, quand je monte tête de la part d'un go, je laisse la pièce. Je l'attrape et la retourne sur le dos de ma main gauche. On dirait que c'est toi qui casse. Qui va prendre des screens, allez-y. Anoko hoche encore une fois la tête avant de se remettre au bout de la table. Il est bossé sur le sauce d'habitude avec moi. Je me demande si c'est parce qu'on a évoqué son passé. Elle recule d'une manière entraînante avant de donner un coup au centre de la boule blanche. Elle traverse le tapis vert avant de percuter les boules soigneusement disposées à l'autre bout. Les boules s'éparpillent sur la table en grande vitesse. Elle a bien cassé les boules sont bêtes distribuées sur la table. Mes yeux passent déjà de l'une à l'autre pour voir laquelle sera la plus facile à rentrer. Anoko se recule et je tape la boule. Bien joué. C'est seulement après le commentaire de Anoko que je réalise que la boule que j'ai frappée est dans une poche. Je la regarde et remarque un petit sourire sur son visage. C'est grave de voir que je joue là-dedans un peu. J'imagine que je prends les rayons alors. Recule d'un pas et la laisse faire à son tour. Mais elle n'avance pas. À la place, elle regarde par terre et se frotte le bras. Maintenant, je peux identifier sa gestuelle comme une de celles qu'elle a quand elle veut dire quelque chose. Mais elle n'est pas assez confiante pour le faire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que tu as un gros sourire. Tu aimes jouer bière? Je soupire et me dosse à la table. J'aime bien jouer, ouais. Je crois que je souriais parce que j'étais nostalgique. Ah, ça, j'aime pas la tête là. Oh. On a encore penché la tête d'un air interrogateur. Mes amis et moi jouons aux bières dans les salles d'arcade. Pas là, l'eau. Nous vivions avant, même la nuit. Mais tes parents travaillent tous les deux. Ah, elle ne me disait rien si je n'étais pas à la maison. Je me suis mis devoir sans trop de problèmes, donc j'avais le temps de faire autre chose. La conversation s'arrête là. La timidité de Anoko l'empêchant de continuer. En réponse, je me pousse pour le laisser jouer. Il n'y a pas de coup facile, alors Anoko se penche bravement pour s'aligner. L'expression de Anoko est la même que lorsque nous jouions aux échecs. Relaxé
et concentrés à la fois. Les athlètes parlent parfois d'un moment où rien de ce qui n'est pas nécessaire ne les perturbe. Je me demande si elle est dans cet état-là. Sa posture est bonne, meilleure que la mienne en tout cas. Très proche d'une méthode d'un manuel de jeu. Alors que moi j'ai l'habitude de me mettre dans la position le plus naturelle que je puisse trouver. Elle aligne la queue sur son objectif. Elle recule un peu et fait quelques mouvements pour s'assurer qu'elle est bien positionnée. Elle me comprend, je joue sérieux. C'est le seul vrai hobby que je connaisse, à part la lecture. C'est agréable de partager ce genre d'expérience avec elle. Alors le coup après avoir visé la boule frappée vient de. Et la boule vient de se heurter à une boule. La boule vient. Non. Ouf. Et j'ai aimé. Elle j'arrive plus à l'air. On reprend. Et la boule frappée vient de se heurter à une boule attendant dans un angle proche d'un coin. Les préparations donnent un coup de paye quand la boule roule en direction de la poche. Pendant un moment, on dirait qu'elle va s'arrêter au bord du trou. Mais elle tombe finalement. Eh bien, elle était dure ce coup-là. Si tu peux réussir ça, je ne pense pas avoir de chance. Je ne suis pas si bonne. Mais si t'es bonne. C'était pas juste ce coup. Mais quand tu t'alignes, tu sembles très sérieuse. Comme quand tu joues aux échecs. Le compliment l'a fait un peu rougir. Elle pose le cul contre la table et se redresse. Avant de se tourner vers moi. C'est juste que j'aimais ça. Elle chicote avec ses mains et ses doigts. En fait, on dirait Tony Chopper qui réagit dès qu'on lui fait un compliment. Elle fait ah, ferme ta gueule, enfoiré. Tu crois que ça me fait plaisir. Sauf que là, elle t'insulte pas. Quand j'étais à l'orphelinat, j'ai juste continué de faire les choses que j'aimais. Avant. Si je jouais avec les autres, c'était suffisant pour les adultes là-bas. Alors. Je n'ai jamais pensé comme ça. Le personnel de l'orphelinat voudrait que tout le monde se socialise un peu. Si ça se gêne pas trop de me dire comment c'est l'orphelinat. Pourquoi tu veux savoir? J'ai touché quelque chose de sensible. Le fait qu'elle réponde est déjà positif. Avant, elle se serait sûrement partie sans dire un mot. Je vais te le dire, mais. Mais. Tu peux. Dire qui est Iwana. Coucou. Iwanako. Oh, la lettre. Je me demande depuis combien de temps elle attendait la bonne opportunité pour me le demander. Je suis sans prêt, mais n'hésite pas. Partager les informations normales. C'est quelqu'un que j'aimais. Sa nervosité a disparu. Du moins pendant le temps que ça lui a pris de demander. Sa curiosité l'a dominée. Je me sens pas mal d'être interrogé comme ça. Pour moi, que je puisse raconter mon histoire avec Yonoko ici. Je ne sais pas moi-même ce que je pense de tout ça. Après avoir parlé à Yuko, je veux aussi éviter le sujet avec Anoko. Anoko ne semble pas très satisfaite par cette étrange fin de discussion. Mais je préfère ne pas continuer. Elle a à peine réussi à me demander sans savoir si je voulais en parler ou non. Je me mets en place pour jouer mon tour. Le manque de discussion entre nous est comblé. Par les bruits des clous du groupe dans le club. Et du coup, elle m'a pas dit comment c'était. Sur leur film là. Elle se fout de ma gueule. On se fait arnaquer. Ils ont été con. Trop une action qui ne semble pas trop difficile, je t'en prends coup. Je frappe la boule. Et la trajectoire est bonne. Mais j'ai mis trop de force. La boule frôle le trou et passe à côté. Je grince un peu les dents. J'étais assez bon avant, et c'est frustrant d'avoir autant perdu. Je recule et laisse son tour à Anoko. Je tends un œil là où il se trouve Lily et Akira. Elles discutent entre elles et semblent bien s'amuser. Je me tourne vers Anoko alors qu'elle joue son groupe. Avec la même expression qu'avant, elle s'éloigne et frappe. Comme tout avant, elle fait tomber une boule qu'elle vise. Elle tombe dans la petite poche. Plus proprement que sa précédente. Cela dit, on dirait qu'elle se met un peu plus dans l'ambiance du jeu. Jouer, elle hésite un moment et commence à parler sans tourner la tête. Ah voilà, l'orphelinat était bien. C'est un peu comme Yamaku. La personnelle était vraiment gentille. Alors que les années passées, j'ai réalisé quelque chose. J'étais différente. Ah,
Ah, la blague quand même. Enfin bon, je sais pas, ça me perturbe. Quand je dis autre chose, je me dis différente. Et je dirais par rapport à l'objet, elle parle bien. Putain, par contre, elle a de magnifiques choses, je trouve. Ça fait bizarre de l'avoir parlé si librement d'elle-même. Elle s'efforce visiblement. Ça me rappelle qu'elle a assisté pour me dire pour le feu. Elle a le coup d'en penser qu'elle doit me dire tout ça si elle veut que je lui parle de mon passé. Sa prise sur le cul se resserre alors qu'elle continue de parler. La plupart des enfants étaient là pour se faire adopter, tout comme moi. Contrairement à moi, elles sont parties à Paris. Au moment où je suis arrivé à Yamaku, j'étais parmi les plus vieux enfants là-bas. Attendez, donc là je prends une petite script parce que je vois que la tête qu'il fait. Ça fera un bouffon d'écran. Pendant un moment, j'ai aidé des enfants plus jeunes, mais finalement. Je pose une main sur son épaule et elle se force maintenant. C'est bon. Elle semble légèrement surprise à un moment, pioche la tête avant de poser la queue et de se tourner vers moi. Tu y penses vraiment? Oui, ne t'inquiète pas. Même que l'aider ne serait plus là, je serai là pour protéger, d'accord? Là, comme on regarde à loin, moi, je suis un peu surpris. À peu près pas surprise. Cette personne n'a pas changé par rapport à moi. Elle a l'air quelque peu larmoyante, et aussi lorsqu'il y a entre nous, des points inhabituels. Je crois que c'est le fait qu'elle me fixe aussi longtemps qui est bizarre. J'ai l'impression qu'elle me juge. C'est très étrange et assez confortable. Avec vous? Je comprends, merci. Elle sourit et détourne un peu le regard. Elle me semble toujours gênée. Anoko n'est pas très bonne pour faire sa mort. Le moment présent ne dérange pas la reine. Je vais à la table et joue mon tour pour essayer de me distraire. Mais ça ne semble pas marcher. Est-ce qu'elle croit que je ne suis pas à la hauteur? Est-ce que j'ai l'air des os? Je réfléchis probablement trop. Mais j'ai appris à accepter son silence, des fois j'aimerais qu'elle ne parle plus. Avec un poc, il envoie la boule blanche traverser la table vers ma cible. Ah! Donc on voit ce qui arrive tout comme moi. La boule frappe fort l'autre et la boule rayée que je voulais mettre vire vers la boule 8. Alors qu'Anoko est bon, regardons et nous mordons la lèvre, la boule se cogne à la noire et la voit se loger dans une plusieurs quoi. Oh putain. Il soupire, on dirait qu'Anoko sur un nouveau. On a pas peut-être que ce n'était pas pour moi. C'est un mauvais tir de se cogner. On dirait que je suis plutôt rouillé après tout ce que. Après tout ce temps. Ah, c'est gros ça. Anoko se penche et commence à envoyer les boules restantes dans les poches et les bleus plus proches. Je demanderai presque si elle veut faire une partie, mais un coup d'œil rapide à mon montre me confirme qu'il est plutôt tard. Lila et Kara sont toujours en train de boire au bar. On va devoir aller les chercher. Isao, je me tente vers Anoko qui est toujours au billard et en train de finir ses boules. Enfin, les boules. La voix semble différente d'abord. Mais c'est là pour toi aussi. Putain, j'ai bloqué. Pardon, mais j'ai bloqué. Putain. Non, mais c'est super mignon ce qu'elle dit, ça. Hein. Putain, j'ai le même réseau. La même réaction qu'Izao. Putain, j'ai bloqué mentalement. Putain, je m'en doutais pas qu'elle pouvait. Enfin, qu'elle allait dire ça. Je me dis soudainement, c'est normal qu'elle me réponde ça. Parce que je l'ai dit plus tôt. Mais c'est quand même un choc de l'entendre. Ouais. Quelle est ma relation avec cette fille? Non, mais tu. Puis elle est amoureuse du tout, putain. Je vais la protéger, la rendre heureuse. Je ne suis pas sûr que ce soit de l'amour. Mais je ne pense pas que ce soit la même chose. Qu'est-ce que je ressens pour les non plus. Oui, ça, j'ai déjà ressenti ça pour une fille. C'est très simple, c'est. Non, je peux dire ce qu'il ressent. C'est simple, parce que j'ai déjà ressenti un petit peu le même truc. C'est genre, c'est entre l'amour et l'amitié, en fait. C'est pas la friendzone. C'est juste, en fait. Comment je peux dire ça? C'est genre, c'est. Tu te dis, ouais. C'est en fait, si tu veux voir comment c'est évolué, en fait. Voilà. Et si la personne devant toi te dit, je veux qu'on sorte ensemble,
Toi, tu vas à Bordeaux web pour essayer. Puis si tu vois que ça marche, bah, les sentiments vont évoluer. Puis dans ce cas-là, t'attends l'amour. Si tu vois que bah, ça fonctionne pas, bah tu te dis écoute, non, c'est juste une très bonne amie. Puis voilà. Voilà. Pas sûr que ce soit l'amour, je ne pense pas. Je me sens désolé pour elle qui a vécu tant de choses dans sa vie. Ses parents sont morts dans le feu de sa maison. Et elle a passé la plus grande partie de son enfance dans un orphelinat. Je ne peux même pas imaginer le genre de vie qu'elle a vécu. J'ai l'impression de ne presque rien pouvoir faire pour elle. Surtout maintenant que le livre a quitté le pays. Anok et Mo finissent de ranger la table et les queues. Et nous pensons chercher Lila Kira avant de sortir du club. J'ai l'impression que quelque chose a changé entre Anoko et moi. Je ne sais pas tellement ce que c'est, mais Anoko agit différemment maintenant. Comme si on était plus éloigné ou quelque chose comme ça. Enfin, qu'on était plus éloigné. En plus ou plus. Bon. Donc vous vous êtes amusé. Anoko et moi jouons tous deux la tête. La partie était bien. Nous avons tous les deux appris plus l'un sur l'autre. Donc c'était une réponse honnête. Lily semble un peu distraite. Inquiète pour ton voyage, Lily. Elle s'arrête avant de se prêter et de sourire faiblement. Un peu, ça signifie beaucoup. Ce commentaire est ponctué par une tape sur l'épaule de la part de sa sœur. Un coup lui sourit aussi. Ça ira, Lily. J'espère que tu apprécieras ton temps là-bas. Putain, elle a pas bégayé. Elle a fait une phrase sans bégayer, je crois pas. Championne, bravo. Merci, un coup, j'essaierai. Ce serait bien de rejoindre ma famille, après tout, même si c'est pour peu de temps. Sur ce, nous commençons notre marche en direction de la voiture d'Akira. Donc, tu as de discuter, mais surtout de tout et de rien. Bon, c'est un peu moule, je trouve. Enfin, je sais pas, c'est. Si j'ai l'impression qu'on laisse galère avancer. Là tu prends le bus Lily. Lily montre une grande valise à côté d'elle. Je dois la prendre avec moi, donc j'ai appelé un taxi. Il arrivera à portée de l'école dans 5 minutes. Ah d'accord. Lily se penche, attrape la pointe de sa valise. Le poulet cause des difficultés, alors je lui offre de la prendre moi-même. C'est la gentil à tous les deux. Un peu de scrupule à accepter, je me trouve à devoir la porter. Pas vraiment légère, mais pas si grande non plus. Je pense pas que ce serait si dur de la porter. Merci alors. Nous devrions nous dépêcher samedi. Ce taxi part, il me faudra un moment pour en avoir un autre. J'ai prêté un coup. Oui, allons-y. Nous nous dirigeons vers le porter aussi vite que nous pouvons, seulement pour découvrir que le taxi n'est pas encore arrivé. En tout cas, ça fait l'exercice matinal. La famille m'a dit que je devrais en faire. Je pense qu'il imaginait d'autres choses de son iso, et probablement plus régulièrement. Tu as l'intention de porter les valises déjà tous les jours? J'imagine que non. Je dirais qu'on va devoir attendre un peu. Je n'aurais pas pu l'accompagner si le taxi est en retard. Je vais attendre des petites minutes. Ils ne m'ont jamais laissé tomber auparavant. Il y a sûrement juste un peu de monde sur la route. D'accord. Combien de temps dure le vol vers l'Écosse? Près de 16 heures, si je me rappelle bien. Difficile à dire avec le changement d'horaire. Si long. C'est maintenant que je réalise qu'Anoko est inhabituellement avec sur 16. Même pour elle, elle ne gère pas bien le stress et elle a vraiment l'air crispé. Ouais, je ne peux pas imaginer être dans un avion pendant si longtemps. Putain, ouais, c'est le genre. Le seul vol que j'ai fait était pour aller au nord du pays en vacances. Donc c'est vraiment difficile d'imaginer. Le Kanako a passé tout le temps dans un orphelinat durant son enfance, elle a probablement très peu voyagé. Encore moins après l'avion. Ce n'est pas si dur. J'ai passé la plupart du temps endormi ou à réviser mon anglais. J'utilise rarement ici, donc j'ai besoin de me refamiliariser un peu. Ton accent ne sera pas un problème. Je m'en inquiète pas tellement. Ce sera peut-être un petit problème au début, mais je m'habituerai vite. Nous nous assions sur un petit banc à côté du porte de taille de l'école. Étrangement, même si je sais que Lily s'en veut, je ne trouve rien à lui dire. Lily déboie, c'est sûrement pour ça que je ne pense pas autant à elle qu'à Anoko. En fait, putain, j'imagine pas des. J'arrive pas à imaginer des voix sur les filles.
pas sur les filles dans le jeu, évidemment. Genre, enfin, je sais pas, c'est vu qu'elles sont japonaises, elles parlent japonaise. D'accord. Je sais pas, c'est, j'imagine pas leur voix, genre, je me dis la voix de comme de. Puis genre, l'idée en mode. Voix voiture, genre, en mode haïku. Ah bon, je. J'illustre gros, hein, bon. Genre, c'est comme ça que j'imagine, moi. Franchement, même si je l'ai écrit là, Lily ne la voit peut-être pas, mais Anako se ronge les ongles nerveusement. Je m'approche pour lui parler, mais j'entends un moteur monter la colline avant d'en avoir la chance. Ah, je crois que le taxi est là. Effectivement, Zao. Moi-même, je vais l'entendre. Ça peut faire avoir remarqué quelque chose en même temps qu'Anako, et aucune vie, ne signifie que je suis plus conscient de ce qui m'entoure. C'est vrai. Bon, au moins on n'aura pas appelé la compagnie de taxi. Alors que le taxi s'arrête là où nous tenons, le conducteur baisse la fenêtre et se penche. Après avoir confirmé que oui, Lily l'a même lui dit sa dos que celle qui l'a appelé, ne prenant ses bagages. Le conducteur ouvre le coffre et prend la valise. Et Lily montre sur la banquette arrière alors qu'il referme le coffre. Une fois les portes fermées et rassis sur son siège, il attend que nous fassions nous au revoir. On fait le voyage, Lily. D'un coup, elle est rabattue. Ça s'entend même dans ce lot. Bien sûr, je reviens vite. Ne t'inquiète pas. Il y aura quelqu'un d'autre pour toi. Ah, Izo. Putain. Elle me tourne et sourit. Donc, pose ma main sur son épaule. Elle me regarde dans les yeux que quelques secondes. Les joues rouges, puis se tourne vers Lily. À la prochaine, Lily. Au revoir. C'est bon, on a compris. Lily fait ses au revoir avec une légère réticence. Sans autre commentaire, le conducteur démarre et descend de la colline en direction de l'aéroport. Nous restons tous les deux debout devant le portail pendant un moment après qu'il soit parti, ne sachant pas vraiment quoi faire. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Je sais pas, moi. Je sais pas. C'est quoi ce choix sérieux là? Loul. Bon. Encore une fois, coupure pour déterminer le pour et le contre. Je reviens. Oui. Donc, du coup, j'ai pas réussi à choisir. Du coup, je suis parti voir la soulure. C'est que j'ai vu qu'en fait, il fallait choisir. Tu veux aller en ville pour changer les idées. Du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Et bah, on va voir. Le bus s'arrête se tenant près du portail, telle une sentinelle muette, me donnant dans l'idée. Tu crois qu'on arrive à la ville pour voir une librairie ou un truc? On a le reste de la journée après tout. C'est une demande risquée, vu qu'Anako n'aime pas leur ville. J'estime que déjà le fait qu'on ait réussi à la faire sortir en ville, le nuit comme un petit miracle. Mais je veux honnêtement passer plus de temps avec elle. De toute façon, elle va sûrement juste refuser de retourner au. D'accord. Ah bon? Vraiment? Allons-y. Je ne sais pas vraiment pourquoi Anako a accepté, mais je ne vais pas dire la contredire. Ça dort du bus et je remarque immédiatement qu'il y a beaucoup de monde. Je pense que j'aurais dû le savoir. C'est-à-dire qu'il y aurait beaucoup de monde au centre-ville. À samedi après-midi. Anako se rapproche de moi, je peux sentir sa masse serrée contre. C'est vrai, bon. Son corps est collé contre le mien, sa tête est penchée si bas qu'elle cache la plupart de ses cicatrices. Donc, on cherche une librairie. Le code de Naku et mes dépenses communes ont bien creusé mon budget. Je devrais pouvoir me permettre quelques livres. J'essaie toujours de mettre un peu de côté pour cela, après tout. Je crois qu'un coup, elle m'a pas entendu. Je dois hocher très légèrement la tête. D'accord, tu en connais une? En fait, on est passé devant plusieurs fois quand Lily et moi cherchons tes cadeaux. C'est l'expression de Naku, ça s'en va pendant une seconde. Je te me rappelle d'arrêter de m'enfiler sur son anniversaire. Vous avez mis longtemps? Peut-être que j'ai mal jugé son expression. On va être sûr de trouver le bon cadeau, peut-être.
Raikou sourit et rougit un peu. Avec ça, c'était un petit trésor. En fait, il devrait y avoir le libraire un peu là, tu veux grenier? Oui. En fait, commence à s'épaissir alors que nous dirigeons en direction de la librairie. Un coup accroche sur notre bras en mort, alors tu sens quelque peu notre progression. Alors que nous marchons, le bruit du trafic routier me fait penser à une potentielle discussion pour la distraire. Je me demande à Neko, tu as déjà pensé à apprendre à conduire? Conduire? Ouais, tu as la chance d'une certaine façon. Beaucoup d'étudiants Yamaku n'ont pas le droit de conduire. C'était pas le meilleur sujet de conversation. J'ai essayé de distraire Neko. Elle a rarement entendu. Encore une fois, tout ce que j'ai réussi à faire est rendre la situation étrange. Elle n'y avait sûrement jamais pensé. J'aurais dû me taire. Après peu de temps, nous arrivons à une délibérée devant lesquelles les mois sommes passés durant notre recherche. 15 jours de délibérée ferme le samedi. Les librairies ne font plus autant d'argent qu'avant, à cause d'Internet. Peut-être qu'ils doivent fermer le week-end. Elle semble aussi connaître en technologie. J'imagine que c'est une des choses normales quand on apprécie la solitude. C'est pas bête. Il est plus facile de trouver des livres en ligne. Dans tous les cas, on dirait que c'est mort pour cette idée. Tu feras autre chose? Si ça ne te gêne pas, tu peux me montrer là où tu as acheté mon cadeau? C'est pas pour ça, c'était pas là. Sur la direction du magasin à moitié sûr de sa localisation. Elle ne veut pas revivre l'expérience de la dernière fois. Passer la moitié de la journée à marcher sans la trouver. Dis voilà, hôtelleuse antique. C'est petit. Ouais, mais ça nous a pris un moment pour le trouver. On peut y entrer? Pourquoi pas c'est ouvert? Ah, le Pokémon d'Anako. Anako pousse la porte hein, et rentre avant moi. Encore une fois, le magasin est vide. Il n'y a que le gérant. Il fait une petite grimace en voyant. Oh, vous n'êtes pas là pour un retour, hein? Attends, ce n'est pas la fille qui était avec toi la dernière fois. Non, nous ne sommes pas là pour ramener tout ça. On était juste en ville, on voulait venir jeter un coup d'œil. J'aurais réfléchi un moment. J'imagine qu'il ne doit pas avoir beaucoup d'initiés qui viennent régulièrement dans son magasin. C'est pour dire que ce soit l'ami que vous aviez acheté le cadeau? Oui, ils étaient pour elle. Genre, se retourne vers Anako qui s'immobilise comme un lapin, pris dans l'effort. Plutôt comme un lapin. Il allait lui parler, mais s'arrête et il hurlait un peu en côté. Il se surprend en train de le fixer et tourne la tête. S'adresse à nous directement, son expression gênée et tendue. C'est comme son corps entier. Je voudrais le vouloir, mais je sais que j'ai le même réaction la première fois que j'ai vu Anako. D'abord la surprise, puis la curiosité, et enfin un détournement de regard gêné. Anako semble moins paniqué qu'avant. Je crois que le sentiment qu'elle ressent est pire. Elle n'est pas énervée ou gênée, elle est désolée. Tu as la chance, jeune fille, d'avoir des amis qui comptent sur toi. Pas pour qui tu comptes autant. Merci. Si je n'avais pas passé autant de temps avec Anako, je n'aurais pas réalisé qu'elle venait de dire quelque chose. Cela dit, le marmonnement du gérant n'était pas clair non plus. Mais qu'elle parlait dans une autre direction. Anako se balade dans le magasin, regardant les divers objets présentés. Elle trouve la section des poupées et passe de longues minutes à les étudier une par une. C'est à côté d'Anako que je ne connaissais pas. Pas que très peu. J'ai été étonné quand lui a dit qu'elle aimait ses poupées. Les poupées bleues. Encore plus quand j'ai découvert sa collection sur son étagère. Elle a l'air d'aller mieux maintenant qu'elle est distraite et hors du champ de vision du gérant. Elle est toujours un peu perturbée par l'expérience. J'ai mes propres problèmes, mais je n'ai jamais vu d'étrangers agir comme ça avec moi. Comme si j'étais complètement différent d'eux. Il est bien ce magasin. Oh, je ne m'entendais pas ça. Tu veux acheter quelque chose? Enfin, je n'ai pas porté d'argent. On peut toujours revenir. Maintenant que je suis aussi. On peut. Bien sûr, on peut revenir ici au coup. Hey. Putain, les connes. Merci. Pourquoi elle dit merci? Putain. Tu
il a pas besoin de me remercier, j'ai presque oublié où était la boutique. Je ne crois pas que l'un de nous pense vraiment ce qu'il dit. Il veut plutôt qu'il n'aura pas ce qu'il croit devoir dire. On peut retourner à l'école maintenant. Mais sur Rosie, t'as déjà. Putain, c'est rapide. Alors que nous partons direction de l'arrêt de bus, je vois les gérants nous regarder à travers les rideaux. Mais c'est pas vraiment ce que son regard veut dire. C'est un peu bizarre. Le fait qu'Anako ne l'ait pas vu entraîne à la fois un soulagement et une certaine frustration. Et que moi nous arrêtons en arrivant entre les deux bâtiments du dortoir. Nous avons à peine dit un mot depuis que nous sommes depuis que nous avons quitté la ville. Alors au revoir. Tu prends la tête quelque chose ou une partie? Anako secoue la tête embarrassée. Je suis fatigué. Peut-être plus tard, j'allais te voir. Elle semble un peu déprimée. Anako a visiblement envie de faire plus, mais j'imagine qu'elle doit avoir des cours à rattraper. Elle a loupé quelques jours pour tout. Ah, les devoirs. Merci de me le rappeler. J'avais une tonne à faire aussi. En zone là. Oh putain, j'ai la flemme pour Iso. Ça va... Oh, j'ai la flemme pour lui. Pardon. Au revoir, Iso. Rien de plus lui dire au revoir. On a quoi tourner le tableau et commence à marcher en direction des dortoirs des filles. Je regarde la porte après qu'elle est passée et me dirige vers mon propre dortoir. Aujourd'hui, c'était une longue journée. Quel bilingue. Bon, bah c'est le dernier acte. Là, normalement, il sera bouclé. Ça se trouve, on va finir aujourd'hui. Et ouais. À quoi que tu me diras. Et je vais peut-être pas... Peut-être s'arrêter maintenant ou dans... Ah, j'hésite. Parce que là, je te dis... Bon, on va dire petite coupure et puis je vais réfléchir 30 secondes. Bon, on va continuer un petit peu. Puis... je verrai. Alors, peut-être dans 10 minutes ou quoi, peut-être. Donc je me réveille, prends mes pilules, une bonne douche, enfile mon uniforme, mange un bon petit déjeuner, attrape mon sac et sort, mettant fin à ma routine matinale. C'est seulement après être arrivé en classe que la normalité de la journée serait terminée. Après m'être assis, je regarde mes camarades rentrer en parabole dans la salle de classe, jusqu'à ce que chaque chaise soit occupée, sauf celui d'un coup. Déjà, on voit Shizune. J'arrive pas à me faire l'idée qu'elle ne vienne pas en classe de temps en temps. Ça m'inquiète encore plus maintenant que Lily est partie. Alors que Mito, quand on continue de parler, je lance malgré moi des coups d'œil à son siège, comme si elle allait apparaître par magie. Personne d'autre ne semble se préoccuper de son absence, ce qui n'est pas tout. Tiens, ça me rappelle déjà. J'ai l'impression qu'on a déjà vécu cette scène. Genre comme quoi il arrêtait pas de regarder le CGP qui disait oh j'ai pas l'impression qu'elle va apparaître comme par magie. C'est pas normal qu'Anako soit absente après tout. Ou du moins ça ne l'était pas. Son doute présence n'est pas aussi bon vu que depuis que je suis là. C'était apparemment pire avant. Ce n'est pas bon pour qu'elle soit absente aujourd'hui. C'est la veille de son anniversaire et je commence à être suspicieux. Vu ce qui s'est passé la dernière fois qu'il a été mentionné. Je réfléchis à beaucoup de manières différentes de l'aider. En fin de compte, j'ai l'impression de ne rien pouvoir faire. Ils se rendent sur le début de la pause de déjeuner, peut-être jour. Ils entendent ma torpeur. Je soupire de ce logement collectif. Enfin, un soupir de ce logement collectif se fait entendre de la part de la classe, mais tout semble quelque peu agacé. Il n'aime pas être interrompu au milieu d'une de ses passionnantes leçons, pas tout. Au moment où je me demande ce que je devrais faire durant le déjeuner, vu qu'Anako et Lily ne sont pas là, la réponse se présente d'elle-même. Micho et Shizune. Pour changer, hein. Bonjour.
Nouvelle-Chan. Bonjour Micho, je suis désolé. Vous semblez aussi énergétique que d'habitude. Shishan veut savoir si tu es d'accord pour déjeuner avec nous aujourd'hui. La sœur, ça fera du bien d'avoir de la compagnie. Toi, t'as un peu le bouche trop en fait. La cafétéria vaut un peu d'activité, comme dans mon ancienne école. Il y a beaucoup et différents de sa manière d'être. Étrangement civilisé dans leur rush du déjeuner. Pour s'attendre à une foule prenant d'assaut dans le comptoir pour se servir. Il y a la place d'une file d'attente calme et organisée. Quelques personnes se bousculent et les têtes déjà se redressent. Souvent pour voir ce qui se passe dehors. Mais c'est plutôt contenu. C'est du sans aucun doute règle sévère de l'école. La même discipline stricte est observée par le déplacement des élèves dans des couloirs extérieurs, en direction des dortoirs du portail. Éclairer derrière ça puisse être un peu déconcertante. Je suis bien apprécié l'ordre qui règne de l'école. Je n'ai pas vraiment apprécié que Shizune et Michou me demandent de prendre leur déjeuner. Cela dit, je me sens un peu utilisé quand j'en viens et m'assois à leur table en posant leur repas devant elle. Un cake à la fraise pour Michou, un bol de ramen et un jus de fruits pour Shizune. Je pousse un super de ce logement après avoir posé tout ça. Ça sera bon d'empêcher. D'ailleurs, j'ai du mal à tout transporter pour prendre mon repas de déjeuner. Merci. Michou colle ses mains ensemble avant d'enlever le plastique et de l'attaquer sur le cake. Je suis désolé, m'adresse simplement, je prends peut-être encore de ça avant de remuer ce bol de ramen fumante et de souffler dessus pour le refroidir. J'ouvre mon propre repas, un autre cake et prend une bouchée avant de l'agir en appétit d'une gorgée de jus de fruits. Le cake est vraiment sucré, tellement que je suis obligé de me forcer à l'ingurgiter. D'ailleurs, à moitié fini, j'ai décidé de prendre une pause. Me demander ce qui me tracasse. Donc j'imagine que vous avez une raison pour venir ici. Moi, ça peut toujours avoir un bout de cachet pour tout. Qu'est-ce que tu dis, Ishan? Nous n'avons pas bu de café. Elle parle la bouche pleine de cake. C'est assez déplaisant à voir. Shizune semble un peu repoussé par cette vision et retourne dans sa ramène. Attends que Michel finisse ce qu'elle a dans la bouche avant de parler. Ne me jetez rien pour faire en sorte que je travaille pour vous après l'école. Nope. N'essayez pas de me soustraire des informations. Nope. D'abord, vous avez compris que vous voulez juste déjeuner avec quelqu'un de sa télévérée beaucoup. Si ça, j'ai déjà compris. Elle me confondit vraiment, t'as là que j'ai même pensé cette pensée que lui. Ça, c'est une genre de connerie là où j'aurais pu l'emballer ensemble mes potes. Ou ouais, à mes copines. Ah, que des cours, ça. Shizune reste placide alors que Michel finit de traduire notre conversation. Puis aspire une nouille tout en désignant tout en sa réponse. Shizune dit que tu n'aurais pas de suspicion avec nous. Elle fait juste ce travail de guide classe après tout. Si je n'aime pas l'avouer, j'ai toujours du mal à communiquer avec Shizune. C'est vrai que je regarde Shizune dans les yeux et je lui parle au lieu de regarder Michio. Vu que quelqu'un d'autre parle pour elle, c'est assez difficile. C'est le travail de te déléguer pour de s'assurer que tout le monde voit bien en classe 1. Pas vraiment. Attends, quel rapport entre le fait que j'ai cherché votre nourriture et que j'ai bien en classe? Shizune souffle et ajuste ses lunettes avec un air désapprobateur. C'est donc ça le remerciement qu'on obtient pour t'éviter de déjeuner tout seul? Elle évite avec la question. Attends. Comment est-ce que tu sais que tu. Lily est partie et Anoko est absente. Vu qu'elles sont toutes les deux les personnes que tu fréquentes le plus. C'était plutôt évident à voir aussi. Aïe, c'est peut-être vrai, mais elle n'avait pas besoin de me le balancer comme ça. Peut-être qu'elle soit déjà pour rendre. D'accord, bon, merci. Là pour ici, ce n'est pas assez facile. Elle hoche la tête, toutes les deux. Et nous finissons nos repas.
ça a un peu embarrassé qu'elle soit avec moi juste parce qu'elle juste parce que j'étais seul. Mais ce n'est pas comme si on était étrangers non plus. Il ne faut pas longtemps pour que je finisse mon cake et le fond de ma brique, du jus d'orange. Pas de jus de fruits. En même temps, je me retrouve à penser à ce qui me travaillait pendant tout avant qu'elle me vienne à temps pour me penser. J'ai l'impression d'être le seul dans la classe qui a remarqué qu'un coup n'était pas là. C'est déjà comme ça les autres fois où elle n'est pas venue. Maintenant, c'est encore plus énervant. Est-ce que quelqu'un se préoccupe de savoir si elle est heureuse ou non? Il en a déjà envisagé de l'aider à aller mieux. Même tous ses potes dans les gardes en classe. Je suis toujours probablement convaincu par son renseignement. Hey, Sean, ton jeu de fruits bien aimé? Ah, tu viens de rendre tête comme ça. Comme si c'était nécessaire, Micho a fait une grimace pour m'imiter. Elle exagère clairement, puis que Micho semble s'en amuser. Je pense à un coup. Oh. J'accaparais l'attention de Micho, tout comme celle de Shizune. Une fois qu'on lui a traduit le mot. Mais qui était juste pour qu'elle s'absente aussi souvent. Surtout maintenant que son anniversaire approche. Les souvenirs de ce qui s'est passé en place est encore frais dans leur esprit. Ça se voit dans leur visage. C'est quelque chose hors de coup. Quelque chose qui pourrait l'aider. Micho hausse les épaules. On regarde Shizune, qui réfléchit à mon nom. La seule avec qui elle a parlé plus d'une fois de son Lily et toi. Shizune n'est peut-être pas capable de faire attendre au cœur quand elle s'exprime. J'ai l'impression qu'elle l'a fait avec ses signes, plutôt avec ses signes, quand elle a mentionné Lily. Il fait cependant perdu après l'interprétation du chat. Il y a certainement quelque chose que nous connaissons sur Anago. En tant que membre du conseil des étudiants, vu qu'on a accès à certains fichiers, nous ne pouvons pas dire ce qu'ils contiennent. Normal. Ça ressemble beaucoup au secret médical de la famille. À chaque fois que je retrouve quelqu'un qui sait. Oh. Ah, je suis fatigué. Quelqu'un qui sait quelque chose sur le passé d'Anago, je me retrouve face à un mur. C'est la manière de faire, si je veux savoir, demander. Je ne sais pas si elle me laissera savoir de telles choses, mais si c'est dans son intérêt, je dois moi essayer. T'inquiète pas, Ichan, ça arrive tous les ans, après tout. Ça ne me rassure pas du tout. Nous sommes toujours un peu coupables pour ce qui est arrivé en classe. Et je pense que c'est pire cette fois, même si je ne peux pas en être sûr. Mais je remarque mon espèce de troublé, ça joue habitué de sa face. Tout le monde a ses problèmes, Etienne. Ouais, j'aimerais juste pouvoir aider un coup, avec les siens. Sur ce, la conversation s'arrête avec une note déprimante. Au bout d'un moment, Micha arrive à remonter le moral au bout avec son habituelle joie et son humeur pétillante. Il continue de penser à un coup. J'irai voir plus tard. Pas sûr que la porte est verrouillée, après avoir déposé son sac, plutôt mon sac, dans ma chambre. La dortoir se silencieux, Mito m'a gardé plus longtemps que je ne le pensais après les cours. Il parle de mes études, et me donna des papiers à remettre à Anako. Absorbé par mes pensées, je vois trop tard l'ombre apparaître en face de moi. En relevant la tête, et je vois le propriétaire de la dite ombre. Salut mec, ça va bon? Oh salut. Ouais, ça va dire. Oh salut. C'est quoi cette réponse? Ma réponse banale semble l'énerver. Il aura probablement eu la même réaction. Désolé, j'ai réfléchi juste à pas mal de choses, de trucs. Réfléchir n'est qu'une pauvre excuse pour ne pas contribuer à l'effort de guerre. Et comment se passe la guerre? Je me prépare là. J'ai besoin d'argent pour finir tout ça. Si tu veux me rapporter de l'argent, dis-le. Non, mec, ça va. Ça va, tu veux pas mon argent? Eh ben, t'es pas l'air surpris, c'est insultant. Je suis un assez gros poisson dans le monde du bowling de compétition, putain. Mais hier, j'ai trouvé des gars qui ne le savaient pas. En fait, c'est le casque cosmique japonais, en fait, Kenji. Je suis sûr que c'est contre les règles de l'école. Les règles apportent peu, c'est une situation de guerre. Les gens de nos jours n'ont aucun respect pour la guerre. Et donc, tu as besoin d'argent, c'est juste demander.
des boîtes de conserve non périssables, du matériel de construction, surtout du fer plié et des planches en bois. Un kit de premier soin. Un réchaud, une radio portable, la salle de couchage, une lampe torchée. Une horloge mécanique. J'ai l'impression que c'est une liste d'objets de matériaux au hasard. Après quelques secondes, je comprends. C'est pas une liste de matériaux pour un laboratoire anti-atomique. Ah, donc tu as le manuel Protect and Survive. C'est bien de trouver quelqu'un qui sait comment se protéger. Bon, c'est pas sérieusement que. Il y a toujours une possibilité. Non, je suis sûr que ça n'arrive pas. Il développe ma sorcellerie d'une façon dramatique. Enfin, aussi dramatique que ça puisse être de la sorcellerie. La probabilité est genre, je sais pas, 0,1 sur un trier. C'est infiniment petit. En plus, est-ce que tu peux construire un abri anti-atomique? Certainement tellement plus sur le campus. C'est mon projet de cet été. Pendant que je suis chez moi, mon père a dit que je pouvais le faire. Vraiment. Ouais, il a dit que ça m'en prendra construire des trucs et améliorer ma dextérité manuelle. Ouais, truc du genre. Le Sakenji, son père probablement en bas. Juste penser que ça viendrait éloigner un moment. Cela dit, je me demande comment sont ses parents. Peut-être qu'ils sont totalement normaux, Kenji est juste une aberration. De l'autre côté, peut-être que ce serait. Que ce genre de paranoïa survivaliste et de famille. Eh, hey, tu veux m'aider à le construire? Tu sembles être le genre de gars, ça va utiliser des outils. Avec ton aide, on aurait un bunker super classe au lieu de juste un abri atomique. J'en doute. Jouer au football avec mon accident m'a permis d'avoir de bonnes jambes. Mais j'étais pas vraiment fait grand chose pour le demain. Je ne sais pas doué vraiment. De toute façon, je suis occupé pendant les vacances. Dommage, si les féministes ont un jour accès au code de lancement, j'ai bien peur. On peut se préparer. Être dans la laboratoire atomique te protège contre une explosion nucléaire, ça arrive. La laboratoire atomique n'est pas destinée à protéger contre une explosion. Il faut un abri anti-explosion pour ça. Je pensais que tu t'es connu avec ça. Ah, je ne savais pas. On a besoin des proches d'aucune base militaire. Alors, les retombées des radioactives, si vous avez une explosion nucléaire, c'est plus dangereux que l'explosion elle-même. Ça serait de regarder de la poussière et les particules de l'animal dans ma réserve de nourriture et ma zone de repos. Il doit au moins durer 2 semaines, hein? C'est long quand on joue. Oui, j'ai besoin d'un litre d'eau par jour pour boire. 2 optimalement. Pour que je puisse me lever. Les toilettes ne sont pas un problème. Et j'ai juste des soupes. Il y a une corbeille en dehors de la zone d'habitation pour la nourriture et de conserve. Bien sûr. Et la radio pour communiquer à l'extérieur. Oui. Pour que je puisse écouter les alertes du gouvernement sur ce qui se passe à l'extérieur. J'ai besoin d'une horloge mécanique au lieu d'une électricité. Au cas où lié. Une onde électromagnétique à cause de l'onde du choc nucléaire. Il y a tous les autres trucs dont j'ai besoin aussi. Comme des vêtements de rechange, des allumettes et des bougies. Je crois que j'en ai assez de temps en temps pour te revenir. Sûrement. C'est beau me faire mal de l'accepter, je suis impressionné. Il a vraiment réfléchi à tout ça. Encore une fois, je ne sais pas si je veux vivre dans un monde apocalyptique où les gens comme Kenji vont se mettre. On dirait que tu sais ce que tu fais. Totalement. Ça doit être trop dur. Vivre dans une peur constante comme ça. Il n'est pas très sociable non plus. Donc le fait qu'il ait été faire du bowling avec les autres est surprenant. Ça me rappelle un peu quelqu'un. Heureusement, sa peur et des autres ne se manifestent pas de manière si extraordinaire. Une chose est sûre, c'est que je ne peux pas lui dire pourquoi il ne m'a pas vu récemment. Et tant j'ai des choses à faire, je vais réfléchir, c'est l'histoire d'un projet atomique, ça le dit. Ouais, d'accord, c'est cool. Un homme doit faire face à ce. Doit faire ce qu'il doit faire, avant tout. Je vais entraîner avec moi de ces quatre. Au fait, t'es un mec cool. Un mec cool devrait être ensemble, hein. Pour une certaine raison, le compliment me fait vraiment plaisir. Mais ça, je trouve qu'un coup étant ce qu'il est, je ne vais pourtant sûrement pas être capable de faire ce qu'il veut. Pour le moment, du moins. Ça serait bien, je voudrais te voir quand je pourrais. Cool, mec, à plus. Je retourne dans sa chambre. Je ferai mieux d'aller le voir d'un coup.
Je viens debout devant la chambre d'un coup, espérant qu'elle ne va pas trop mal. Alors que je tiens nerveusement dans mes mains le papier que Mitoma m'a demandé de lui donner. C'est une autre raison pour lui rendre visite, ça me donne assez vite de conversation. Donc je lui dis que je devrais l'estimer si mieux que les avoir. Donc une longue respiration pour me concentrer, je frappe à la porte. Silence. Je vois tout de suite qu'elle bougera à l'intérieur, puis je m'entendrai. Je frappe à la porte encore. Là j'ai un peu plus fort. Je vois qu'on a un réponse étrange. En grattant la tête, je fais une dernière tentative en frappant encore une fois. Anako, c'est juste où, mais tu m'as demandé de te donner des trucs. Pendant moi, je crois que ma dernière tentative ne sert à rien non plus. Juste avant de passer la feuille sous la porte, j'entends la poignée se tourner. Oh putain, ça sent la merde. Alors que la porte s'ouvre à moitié, j'essaie de voir comment Anako ouvre. C'est une tâche qui s'avère être difficile à cause de sa robe trop grande qui cache dans son corps. Elle n'a pas l'air malade, mais je bats pour l'instant. Pour ton être, j'aurais préféré qu'elle soit malade plutôt que de l'avoir comme ça. Elle a l'air extrêmement fatiguée et semble à peine remarquer ma présence. C'est l'un des coups. Mais tout, vous voulez que je te donne ça? Je veux que tu m'étais pas encore aujourd'hui. J'entends les feuilles qu'elle prend timidement, la façon dont elle bouge et sans envie. Elle est amorphe, tout ce qui est inhabituel, pour quelqu'un qui est généralement si tendu. Elle veut se mettre pour ne pas me regarder dans les yeux. Je bougeais peu pour essayer de mieux voir, mais elle détourne le regard. Ça va, si tu te sens mal ou autre, je peux aller chercher la fermée. Il me semble de le sortir à l'habituel, j'espère que tu iras mieux. Je n'arrive pas à imaginer ce que je peux faire d'autre pour elle. Elle semble se réveiller un peu après mes paroles. Juste un peu. Elle garde la tête tournée loin de moi. Mais ses yeux se tournent dans ma direction. Je vais bien. Je sais pas si je n'en s'en suis. Pour l'instant, je remarque que les manches de sa robe semblent légèrement tachées. Ses joues sont un peu rouges. Elle a pleuré. Je vois. J'hésite un moment à dire les mots qui sont la raison pour un de ma venue. Je voudrais que je reste. Je n'ai rien d'urgent à faire donc ça ne me gênerait pas. Ses yeux se viennent de moi et je perds espoir d'améliorer son humeur. De réponse, mais je dirais, alors cela, habilité du regard. D'un coup, elle se coule dans la tête. D'accord, bonne nuit alors. Sur son accord, reculer et ferme la porte, sans dire un mot. Plus qu'un peu acquis, je retourne dans ma chambre. Dans le couloir, je continue à réfléchir à ce que j'ai d'arriver. Ce qui vient d'arriver. J'ai l'impression qu'un coup n'était le qu'un moitié. J'interagissais avec un robot qui était juste programmé sans vraie pensée. Elle était l'ombre d'elle-même. C'est frustrant. J'espérais que parler avec Anako aurait amélioré les choses. J'ai l'impression que j'ai encore plus de mal à la comprendre. Comment je suis supposé aider quelqu'un qui se renferme quand je lui parle? Je ne prends même pas la peine d'allumer la lumière. J'enfile simplement mon pyjama, avale rapidement mes pilules du soir et m'effondre sur le lit. C'est pas ça encore. Je déteste les vieux problèmes. Bon, bah bref, en tout cas, on va s'arrêter là. Parce que moi, je trouve qu'on a bien tourné. Voilà. 1h30. Je vous dis le moment comment dire genre dès que possible pas dès que possible c'est le moment où on aura la fin je ferai la bonne et la mauvaise fin. Je ferai la mauvaise fin d'abord, je pense. Ou la bonne d'abord, je sais pas trop. Enfin, dans tous les cas, les vidéos seront séparées en deux. Genre, je marquerai mauvaise fin de Anako, bonne fin de Anako. Et puis voilà quoi. Donc, à vous de me dire si vous préférez voir la. Parce que franchement, si je me dis ouais. Si je finis sur la mauvaise fin,
si je finis sur la mauvaise fin, après pour la bonne fin je vais être déprimé. Mais si je finis par la mauvaise fin, après je vais être déprimé aussi. Dans le sens, j'aurais mal fini, j'aurais fini sur la mauvaise fin. J'aurais fini 4 jeux ce jeu. 4 jeux sur la mauvaise fin. Donc je pense faire la mauvaise en premier. Genre je vais faire la mauvaise après la bonne. Puis voilà. Apparemment la mauvaise fin est très déprimante. Enfin, bref, on verra ça. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me le dire encore une fois dans les commentaires. Patati patata. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous dis merci à toutes et à tous. Bye bye et à la prochaine. Une bonne nuit, des bisous partout. Et tout ça, tout ça. Allez, salut.